Maa Sabri, la dame qui forge le fer à chaud. Elle est l'une des rares femmes forgerons en Égypte, une profession habituellement réservée aux hommes. À Alexandrie, la ville où elle exerce son travail, de nombreuses personnes n'ont toujours pas compris son choix. Les gens pensaient d'abord que je m'exhibais ou que je faisais ça pour le spectacle. Cependant, ce sont des gens qui ne connaissaient pas mon parcours. Honnêtement, Al-Sayed, mon mari, m'a encouragée et il ne se souciait pas de ce qu'il disait. Il m'a aidée. Les gens se moquaient de moi, mais je leur réponds, fais ce que je fais et tu verras. La famille de Maa Sabri a été frappée par des difficultés financières qui l'ont poussée à défier les traditions, mais aussi les pressions sociétales. Et enfin, assumer avec fierté le travail de forgeron qu'elle exerce avec passion et détermination aujourd'hui. Elle a été toutefois obligée de suspendre ses études pour apprendre les rouages du métier auprès de son mari, afin de subvenir aux besoins de leurs 3 enfants. Elle allait à ses examens et venait aussi aider à l'atelier. Elle rentrait finir son travail à la maison, puis revenait aider. Elle était là dans l'atelier et soudait pour les clients qui le demandaient. Parfois, j'avais des visites, mais c'est elle qui prenait ma place ici dans l'atelier. Elle aide tous ceux qui ont besoin d'une soudure. Elle s'occupe de tous les clients. Après 15 ans passés auprès de son mari, le couple a fini par acheter leur propre atelier. Ils ont ensuite créé une grande variété de structures en métallique. Leur produit phare, les portes en métal, devenues très populaires auprès des habitués.